إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الله أخواتي في الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل إخواني في الله عباد الله فمن أول الدروس العلمية التي يتعلمها أو التي نعلمها الأطفال في بداية التعليم أو في بداية إدراكهم للحياة وعند أول رغبتهم في التعليم أو في تعليم الدين هو أن العبادة لا تكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى إلا إذا كانت خالصة لوجهه الكريم وحده لا شريك له ثم يبدأ المربي يبدأ من يعلمه بذكر الأدلة الدالة على وجوب الإخلاص لله كقوله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وقوله سبحانه فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وقوله سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ولقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي المعروف قال الله سبحانه وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه وللحديث المشهور الذي لا يكاد يخفى على مسلم عنده أدنى خلفية علمية وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وغير ذلك من أدلة الكتاب والسنة الدالة على وجوب الإخلاص لله سبحانه وتعالى في الأقوال والأعمال وأن الإخلاص لله سبحانه وتعالى شرط لقبول العمل فلا يقبل الله سبحانه وتعالى من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم Chers communautés musulmanes, je vous conseille ainsi qu'à moi-même de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi mes chers frères et sœurs, parmi les premiers enseignements que l'on donne à un enfant qui a atteint l'âge de percevoir les choses, ou même à un converti à l'islam, la première leçon qu'on leur apprend, est le fait qu'une adoration ne sera acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala que si elle lui est vouée en exclusivité, si cette action lui est vouée à Allah subhanahu wa ta'ala, uniquement et en exclusivité. En gros, mes chers frères et sœurs, quand tu adores Allah, subhanahu wa ta'ala, alors fais en sorte de lui plaire, et non de plaire aux gens. Adore le seul, sans rien lui associer. Après cela, celui qui lui enseigne cette leçon, celui qui lui enseigne cette base importante, eh bien, commencera à lui énumérer, à lui mentionner les preuves sur lesquelles il se base pour le convaincre. Alors il citera, donc cette personne lui citera par exemple la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala en ces sens. Il ne leur a pourtant été ordonné que d'adorer Allah. En lui vouant un culte exclusif. Ou la parole suivante d'Allah
adorer Allah donc en lui vouant un culte exclusif, n'en déplaise aux incrédules, ou la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala suivante dit: ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers, il n'a pas d'associé, voilà ce qu'il m'a été ordonné et je suis le premier à me soumettre. Dans la même lignée, mes chers frères et sœurs, dans la même lignée, il lui citera des hadiths connus à ce sujet, comme cette parole connue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit, où il cite la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un hadith Qudsi, où il cite la parole d'Allah, où Allah dit: je suis celui qui se passe le plus d'associés, je suis celui qui se passe le plus d'associés, quiconque accomplit une action dans laquelle il m'associe à un autre, je le délaisse lui et son adoration. Allah dit: je le délaisse lui et son adoration. Et aussi, cette personne-là qui éduquera cet enfant, eh bien, lui citera le hadith archi connu pour celui qui s'intéresse un peu à la science religieuse, le hadith de Omar ibn Khattab, le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: eh bien, les actions ne valent que par leurs intentions. Les actions ne valent que par leurs intentions et chacun sera récompensé selon son intention. Et d'autres preuves connues qui indiquent que sans la pure intention, l'adoration n'est pas admise. L'adoration n'est pas admise et ni acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà donc un cours, une leçon que tu as dû entendre dans ta vie, car c'est la base même de la soumission à Allah, c'est la base même de l'islam. عباد الله وهذا الدرس سهل استيعابه هذا الدرس سهل استيعابه جدا حتى إذا انتهى المربي وسأل الطفل من أول مرة مباشرة سيجيبه بسهولة ويسر بل حتى لو غير المربي في صيغة السؤال فسيظفر من الطالب أو من الطفل بإجابة صحيحة كما لو قال المربي لمن تكون العبادة لمن تكون العبادة فسيقول الطفل لله سبحانه وتعالى وإذا سأله هل تقبل العبادة لغير الله فسيجيب لا طبعا وإذا سأله أيضا هل تقبل العبادة إذا كانت لله ولغير الله فسيجيب الطفل لا طبعا والمربي أيضا إذا سأل هل الإخلاص شرط لقبول العمل لقبول العمل فيقول فسيجيب الطفل نعم طبعا وإذا سأله أيضا هل يحرم أن تبتغي بعملك غير الله سبحانه وتعالى فسيجيب هذا الطفل نعم هذا يحرم وإذا سأله أيضا هل يجوز أن تشرك في العبادة أحدا مع الله فسيقول فسيجيب هذا الطفل لا طبعا وهكذا إذا سأله هل الذي يعمل لغير الله مشرك فسيقول نعم وهكذا إخواني في الله مهما يقلب المربي السؤال أو ينوع في صيغته فسيجيب الطفل إجابة صحيحة سليمة وما ذلك إلا لسهولة هذا الدرس ووضوحه mes chers frères et sœurs, cette leçon mes chers frères et sœurs est très facile. Cette leçon que l'on vient d'entendre, celle, eh bien, d'avoir une intention pure pour Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration, eh bien cette leçon est très facile à comprendre. Même si celui qui donne cette leçon interroge directement l'enfant ou interroge directement le converti à l'islam, eh bien ce dernier lui répondra correctement en toute simplicité. Il lui répondra à chaque question correctement en toute simplicité. Ceci même si la formulation de la question change, eh bien on obtiendra toujours une bonne réponse. Mes chers frères et sœurs, par exemple, si l'éducateur demande « Pour qui doit-on vouer notre adoration ?» Eh bien, l'enfant ou l'homme dira, ou la femme dira, répondra spontanément « Eh bien, on doit vouer cette adoration pour Allah, subhanahu wa ta'ala seul. » De même, s'il lui demande « Est-ce que l'adoration vouée à autre qu'Allah est acceptée ?» Eh bien, l'enfant ou l'homme, eh bien, lui dira d'un même naturel « Bien sûr que non, bien sûr que non, celui qui voue l'adoration à autre qu'Allah. » n'est pas accepté. Et s'il lui demande si la pure intention est une condition pour qu'une œuvre soit acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien l'enfant dira aussitôt oui, bien entendu. Et s'il lui demande peut-on attribuer des associés
à Allah subhanahu wa ta'ala, il lui répondra non. Et s'il lui demande est-ce que celui qui donne des égaux à Allah subhanahu wa ta'ala est un polythéiste, il répondra que oui, et ainsi de suite. Il répondra que oui, et ainsi de suite, mes chers frères et sœurs. Même si la formulation de la question change, eh bien les réponses demeurent correctes, car la leçon est claire et simple. La leçon est claire et simple à comprendre et à assimiler. عباد الله ولكن وما أدراك ما بعد لكن إخواني في الله الصعوبة الشديدة في هذا الدرس هو تطبيق هذا الإخلاص هو تطبيقه في حياتنا فمن ذا الذي يخلص لله سبحانه وتعالى في عمله ويحقق الإخلاص لله بحيث لا يكون في عمله شيء لغير الله سبحانه وتعالى إن الإخلاص إخواني في الله إن إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى صعب ولكن هو سهل على من سهل الله عليه فحسب فلقد سأل معاذ ابن جبل رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسر الله عليه فقال تعبد الله لا تشرك به شيئا تعبد الله سبحانه لا تشرك به شيئا الحديث وهكذا إخواني في الله وهكذا لو راجعنا أنفسنا لوجدنا أننا نغضب كثيرا لأنفسنا لا لله سبحانه وتعالى ونرضى كثيرا لأنفسنا لا لله ونعطي ونمنع لمصالحنا فقط لا لله سبحانه وتعالى ونحب ونبغض ليس في الله سبحانه وتعالى فما أحوجنا إلى مراجعة أنفسنا وتجدد إخلاصنا قبل أن نلقى الله سبحانه وتعالى فيبدو لنا ما لم نكن نحتسب قال الله سبحانه وتعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كان نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم يجدد عهده بالإخلاص فكان يقول دبر كل صلاة كان يقول صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون إخواني في الله أخواتي في الله ولندرك جميعا أن حمل النفس على الإخلاص وتجريدها لله لا بد له من جهد كبير ولذلك قال سفيان الثوري وما أدراك ما سفيان الثوري كان يقول ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي Par ailleurs, mes chers frères et sœurs, par ailleurs, et c'est là tout le problème, mes chers frères et sœurs, malgré la facilité d'assimiler cette leçon et la facilité de cet enseignement, eh bien, malgré tout cela, malgré que cette leçon soit évidente, malgré, eh bien, qu'elle soit claire et nette et facile à apprendre, eh bien, elle garde une difficulté lorsqu'on doit vraiment l'appliquer dans notre vie. Eh bien, la difficulté, mes chers frères et sœurs, elle est dans l'application de cette leçon dans notre vie. Il ne suffit pas d'apprendre une leçon. Eh bien, le grand problème, c'est quand on te demande de l'appliquer dans ta vie. Bien beaux sont les discours, mes chers frères et sœurs. Bien beaux sont les discours, mais la réalité de nos vies est tout autre. Qui donc d'entre nous peut prétendre avoir
toujours eu dans ses actions une pure intention pour Allah subhanahu wa ta'ala seul, ou peut prétendre que bien, et bien que rien dans ses actions n'est entaché d'ostentation, qui d'entre nous peut prétendre aujourd'hui que toutes ses actions, ou rien de ses actions ne sont entachées d'ostentation, d'orgueil, de vanité, de recherche d'un intérêt de cette vie et non un intérêt de l'au-delà. Éduquer son âme et son intention, mes chers frères et sœurs, à rester toujours pur pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala seul, est une affaire difficile, est une affaire rude, sauf pour qui Allah subhanahu wa ta'ala l'a rendu facile. Mu'adh, un des jeunes compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mu'adh ibn Jabal, qui était jeune, un jeune compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah l'agrée, eh bien, a demandé un jour au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui demanda, ô messager d'Allah, informe-moi d'une œuvre, si je m'y applique, eh bien, me fera entrer au paradis et m'éloignera de l'enfer. Informe-moi d'une œuvre qui me fera rentrer au paradis et qui m'éloignera de l'enfer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, tu as demandé une chose bien difficile, tu as demandé une chose bien grave, tu as demandé une chose bien difficile. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a soulagé en lui disant, mais qui reste tout de même, cette chose-là reste tout de même facile ou à la portée de ceux à qui Allah facilitera la tâche. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cette tâche, ya Rabb. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit ce qu'il fallait faire. Il lui a dit, adore Allah sincèrement, sans jamais rien lui associer, et jusqu'à la fin du hadith. Oui mes chers frères et sœurs, eh bien si on fait le bilan de notre vie aujourd'hui, si on se remet en question, eh bien on se rendra compte que lorsqu'on se met en colère, ce n'est que pour notre propre personne, et jamais, ou que peu, pour Allah subhanahu wa ta'ala. On se rendra compte que lorsqu'on se met en colère, eh bien on se met en colère, pour la plupart des fois, pour nous-mêmes, pour notre intérêt, et non pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on se rendra compte aussi, lorsqu'on aime une chose, eh bien c'est souvent pour assouvir nos passions et nos désirs, et non pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on donne quelque chose, ou qu'on prive à quelqu'un d'une chose, eh bien le plus souvent, c'est pour obtenir un intérêt de cette vie, et non pour obtenir un intérêt de l'au-delà. Mes chers frères et sœurs, et lorsqu'on aime ou on déteste quelqu'un, ou un acte ou une chose, eh bien c'est souvent pour nous-mêmes, et non parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime cette chose-là, ou n'aime pas telle ou telle chose ou tel acte. Remettons-nous en question et purifions nos intentions avant qu'un jour terrible ne vienne, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse voir ce qu'on n'imaginait même pas. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et il leur apparaîtra alors de la part d'Allah ce qu'ils n'avaient jamais imaginé, et les méfaits qu'ils ont commis leur apparaîtront au grand jour. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, prenez l'exemple de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien il renouvelait après chaque prière obligatoire, la pureté de l'intention, et il disait après chaque prière, La ilaha illallah, nous te vouons un culte sincère, en déplaise aux incrédules. Nous te vouons un culte sincère, comme pour se éduquer son âme à ce culte sincère, et à toujours se rappeler que cette prière-là que j'ai faite, eh bien je la fais pour Allah subhanahu wa ta'ala, et je ne la fais pas pour faire plaisir à quelqu'un ou aux autres. Et il disait donc, nous te vouons un culte sincère, en déplaise aux incrédules. Il faut donc, mes chers frères et sœurs, sans cesse faire des efforts pour améliorer notre intention, notre cœur, et des grands assets et des grands dévots tels que Soufiane Al-Thawri, qu'Allah lui fasse miséricorde, disait, il y a bien une chose que j'ai eu du mal à corriger, c'est bien mon intention. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Mes chers frères et sœurs, j'aimerais que l'on se rende compte de la valeur de la pratique de la sincérité. Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur, Allah ne regarde pas tant vos apparences qu'il ne regarde vos cœurs et vos actes qui en résultent. Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas tant vos apparences qu'il ne regarde vos cœurs et vos actes qui en résultent. C'est bien de s'instruire, mes chers frères et sœurs. C'est bien de s'instruire. C'est bien d'apprendre, de vouloir apprendre. Mais le but de cet apprentissage, c'est le résultat qu'on lui donne. Aussi, aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, on offre aux jeunes des exemples. On offre aux jeunes des exemples déplorables qui vont à l'encontre de l'islam et de son essence. Aux garçons, on leur donne, on leur dit votre exemple, c'est tel joueur de foot. On leur dit aux jeunes, votre exemple aujourd'hui, et surtout aux jeunes de banlieue, aux jeunes musulmans aujourd'hui, on leur dit, eh bien votre exemple, c'est tel joueur de foot ou tel chanteur de rap. Et à la fille, on lui dit, ton exemple, c'est telle actrice ou c'est telle actrice dévergondée ou telle chanteuse outrancière. Autant d'exemples déplorables, mes chers frères et sœurs. Autant d'exemples déplorables pour la jeunesse qui se focalise sur l'apparence de ces gens, qui veulent absolument leur ressembler. Voilà le résultat. Et n'en ressortent qu'avec aucun bien. Et n'en ressortent qu'avec du mal. Beaucoup de jeunes, mes chers frères et sœurs, beaucoup de jeunes se focalisent sur l'apparence et la pure intention est mise de côté. Ils se focalisent sur l'apparence et la pure intention et les actes et les bonnes œuvres sont mises de côté pour qu'il y ait une telle frénésie populaire à propos de l'intérêt porté au corps. Aujourd'hui, on fait beaucoup plus, on porte attention au corps et non au cœur. Eh bien, pour que cette frénésie populaire, eh bien, soit active et marche, eh bien, il faut bien que cette idéologie soit véhiculée par un vecteur. Et en l'occurrence, ce vecteur, c'est les médias, la télévision, la publicité, les magazines qui imposent au travers d'images et au travers de mots un modèle non seulement de beauté mais de statut social qui lui est associé. Donc chers frères et sœurs, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous veut du bien et vous a offert le meilleur exemple. Il vous a offert le meilleur exemple pour votre vie en la personne du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour les garçons comme pour les filles. Pour les garçons comme pour les filles. Prends-le donc comme exemple et modèle. Et par lui, bi'idhnillah, tu éduqueras ton âme et laisse de côté tout ce que les médias t'imposent. Car leur but suprême, mes chers frères et sœurs, leur but suprême, mes chers jeunes, mes frères, mes sœurs, et que tu deviennes un objet et non un être. Et que tu deviennes un objet et non un être. Un objet de consommation, un objet d'illusion et un objet de fausse beauté loin de l'essence de l'islam qui te libère de tout cela. L'islam, la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, te libère de tout cela en ne suivant, en t'imposant de suivre que celui qui mérite d'être suivi, qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et cet islam qui te libère, qui t'impose de vénérer que celui qui mérite d'être vénéré, et c'est ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma a'izz al-islam wal-muslimin. Allahumma a'izz al-islam wal-muslimin. Wa ansur ibadaka al-muwahhidin. Allahumma ansur ibadaka al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ibadaka al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma inna nas'aluka ya Allah أن ترزقنا الإخلاص، أن ترزقنا الإخلاص في العمل كله وفي الأقوال والأعمال، وطهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق والرياء، اللهم طهر قلوبنا من النفاق والرياء، اللهم تب علينا، اللهم ارحمنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم تب علينا يا أرحم الراحمين. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك
والسلامة من كل إثم والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار والنجاة من النار يا عزيز يا غفار اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم المبارك ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا شابا إلا أصلحته ولا شابا إلا أصلحته ولا شابا إلا أصلحته ولا ضالا إلا هديته ولا ضالا إلا هديته ولا ضالا إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم